one was the last time in Gothenburg in 2016. That was, of course, before Paris. Et pour sa sixième finale dans les mondes, va-t-il réussir à passer tout devant la cavalière allemande Jessica von Auvergne, dont son résultat est donc confirmé à 75,667. Donc l'Allemagne qui prend la pole position maintenant dans cette FAI World Cup Dressage Final. Et peut-être avec Patrick Kittel. Non, mais ce sera une deuxième place pour Patrick Kittel avec 74,600. Vous avez 280 à juger la précision de Patrick Kittel comme la meilleure selon vous. N'oubliez pas de télécharger l'application Spectator Judging si vous aussi vous souhaitez attribuer vos notes et vous comparer eh bien, au jugement justement des 7 juges internationaux qui sont ici pour cette finale Coupe du Monde. Nous voici aux États-Unis maintenant. Vous avez devant vous, mesdames, messieurs, la numéro 5 mondiale. Elle a fait pas moins de 3 étapes Coupe du Monde cette année. Elle les a toutes gagnées à Wellington. Celle qui était médaillée de bronze par équipe aux Jeux Olympiques et médaillée 4e par Olympique à Rio, 5e à Caen. Médaille d'or des Jeux Panaméricains, 2e à Omaha l'année dernière, 11 victoires en Coupe du Monde sur 18 participations. Mesdames, Messieurs, Paris, vous aurez à cœur d'accueillir Laura Graves avec Verdades. Ça zoomait un peu, non? Ça zoomait un peu. Et elle a 29 ans, Laura, 29 ans, elle a débuté le concours international seulement il y a 4 ans. Et la voici propulsée numéro 5 mondiale.
be giving us some great marks too in a few seconds and have the official results. Spectator judging, I imagine you can report over the level. Justement, c'est notre, en tout cas, vos applaudissements, la plébiscite. Cette cavalière américaine, 75-667, c'est le score allemand à battre. L'aura-t-elle fait, justement, Laura Verdades dans ce Grand Prix. Nous la reverrons en tout cas demain pour l'épreuve freestyle de cette finale World Cup Dressage Final ici à Paris. Alors, on suspect, c'était son nom. Bah oui. Instants, les notes d'ensemble sont en train d'être attribuées justement par les 7 juges pour la cavalière américaine qui aura fort à faire également face à la concurrence puisqu'on approche quasiment de la fin de cette épreuve. Il n'y a plus que 3 groupes à venir rejoindre et pas de points. Ah ouais!